Bon, est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui se passe là, parce que... Oui, ce serait assez sympa. Des gens qui pensent que tu vas partir et qui veulent prendre ta place. Plein de gens. Ouais, d'accord, mais une fois que j'ai dit que je voulais pas partir, ça s'arrête normalement. Justement, non, ça s'arrête pas. D'accord, mais ça vient d'où? J'ai bien demandé vite d'explication. On n'a pas d'explication. J'ai entendu parler d'une petite énervée là, Lola. Oui, mais non, enfin, Lola, y a rien à craindre. Tiens, tu vois, elle est là. Tu tombes bien, toi. Ah bah toi aussi tu tombes bien, parce que je venais t'annoncer que j'étais la future présidente de Carton. C'est ton idée, ça? Non, non, ça me paraît carrément normal. Elle est en train de mettre ça dans la tête de tout le monde. Bon alors, écoute-moi bien, toi. Tu fais quoi, là? Voilà. Chat, t'es en train de te faire enfumer par une gamine. C'est pas une gamine. Si j'étais toi, je me méfierais quand même. Non mais on a discuté et elle m'a convaincue. Mais convaincue de quoi? Ok. Qui a le plus de succès? Bah, c'est un peu le succès de ton. Ah non, non. Si on me retire, bah, c'est plus pareil. Bah, si tu vas par là, si on retire Anaïs, Camille... Chad, ensemble on est parti. Ouais, ensemble on va arriver, on connaît l'histoire. Bah oui Anaïs, tu vois pas que t'es un peu débordée par la jeunesse là? Non mais je pense que ce qu'il lui faut à cette gamine, c'est une fessée. Bah donne-lui. Alors attention, la première qui me touche, je porte plainte. Gaëlle, fais-toi plaisir. Non mais attends, tu veux lui mettre une fessée? Mais tu te crois où là? À quelle époque? Donne-lui. Tu préfères la main gauche ou la main droite? Chad. Bah écoute Lola, à ton âge, faut que tu te défendes un peu toute seule, hein. Bah Jade, aide-moi. Mais elle va vraiment lui mettre une fessée? Elle va vraiment lui mettre une fessée. T'as pas fait trop mal? Je peux plus m'asseoir là. Bah oui mais Lola, faut que t'apprennes à fermer ta bouche. À ce point là? Ouais, j'ai mal hein.